celui-là. Ouais, je suis donc ça c'est le modèle. Une soirée. Un exacto, une ou deux poussées, un ou deux cafés, une soirée à pas faire grand chose. Voilà. Ce qui est sympa, c'est de toute façon c'est comme tout, hein, c'est. Bah celui-là, c'est. Je sais pas où est-ce qu'on va le mieux. Ah, bah attendez, j'ai peut-être. C'est le pochoir. On fait comme ça pour dans le papier. Ah, ok. On fait ça une sculpture. Non? Non, non, non. Toutes les sculptures qu'on a fait. Ça dépend. Ça dépend des modèles. Là, celui-là, je pense que j'avais dû le décalquer au départ, puis après je l'ai. Ah, t'as agrandi. C'est celui-là. Vous séparez le bord du temps. Voilà. Donc, il faut éliminer certains détails, et la difficulté, c'est d'arriver à créer des liaisons. Ça peut être des choses super simples, hein. On peut avoir des trucs assez déco ou amusants. C'est. Celui-là, par exemple, il est sur plastique, celui-là. Ah non, pour les choses plus petites et plus fines. Je vois, top, c'est un meilleur. Moi, c'est un bruit fur, là. Là, c'est un petit. C'est égyptien. Samouraï. Ah, tu penses en noir. Ah, putain, il est juste avec le sable coupé. Ouais. Après, faire des petites choses toutes simples, petit golfeur. Là, vous travaillez dans Paris, comme ça, vous n'avez pas de flics. La nuit, la bombe, voilà. Alors, on peut avoir des choses assez. Donc là, sur le côté un peu fil de fer barbelé, enfin. On peut travailler aussi par étapes en fonction des couleurs, c'est-à-dire faire des tags en plusieurs couleurs en jouant donc à chaque fois sur. Hein? En faisant le rajout. Ouais, bah en fait on fait le premier. Alors en général, vous faites une fenêtre autour. Alors là, la plupart du temps, je les ai plus. Mais autour, vous faites une fenêtre papier pour pouvoir le maintenir et puis pouvoir bomber sans avoir la main toute noire. Et une fois que c'est légèrement séché, en fait, il faut recaler ensuite le deuxième dessus. Quoi. Alors là, la difficulté sur celui-là, c'est que ça a fatigué les pièces qui sont peut-être un peu fines. Donc.